Je peux vous poser une question? Quel a été votre premier désir? En fait, je sais immédiatement. C'est quand j'allais vérifier que ma mère était bien là, vivante et chaude, parce que je voulais un jour une preuve qu'elle soit immortelle. C'est mon premier désir et je devais avoir 3 ans à peu près. Partir de chez moi, je ne sais pas. My brothers, to play with my brothers when I was small. I think, yeah, that's the first thing I remember being small is all the older boys were running around and I wanted to be a part of it with them. Music. Romantic relationship with a tree when I was about 9 years old. À mon avis, le premier désir inconscient, il était le téton gauche, parce que je suis plutôt gauche comme garçon, le téton gauche de ma maman, je pense. Mon premier désir inconscient, mon premier désir conscient. Il a été d'en avoir beaucoup. D'avoir le sens du possible, comme dirait Musil. S'il y a un sens du réel, c'est qu'il y a forcément un sens du possible. Mon premier désir, c'était de savoir qu'il y avait tellement de désirs à assouvir. Mon premier désir, j'en ai tellement. D'abord, j'ai eu faim. Ensuite, j'ai eu sommeil. Ensuite, j'ai eu envie de danser, ça c'est sûr. Ensuite, je ne sais pas. J'en ai tous les jours, tous les matins, des désirs. D'être dessinateur de mode un jour. To meet Elvis Presley. Yes. I never met him. To be loved. Marcher pour sortir, manger des glaces et aller dans la rue. J'ai passé un an au lit et mon premier désir était bête et d'aller dans la rue. Marcher dans la rue. D'être chouette. I remember being very, very young and having a wet dream, dreaming of Greek statues. De quitter là où j'étais et d'aller à Paris. Let's get out of here. De ne pas avoir d'enfant. C'était mon premier désir. Après, ça change. Mon premier désir. Sans aucun doute, de réussir les épreuves qui m'étaient. Que j'étais confronté au début, c'est-à-dire les épreuves du bachot. Des premières études, de l'entrée à l'école d'administration. C'était ça, mes premiers désirs. Il est noir.
grandir et d'être des êtres humains de sensibilité et responsabilité. C'est trop simple, je suis sûr, mais... Je crois que c'est d'être belle. Parce que je me rendais compte que ça donnait beaucoup de force, beaucoup de pouvoir quand on était une femme. Donc je crois, quand j'étais petite, c'est ce que je voulais. C'était de participer un jour quelconque, dans l'avenir, dans la chute du gouvernement fasciste à Portugal. Et finalement, ça a été un rêve absolument accompli et réalisé. Donc je suis un homme réalisé, surtout à cause de ça. Mon premier grand désir, je ne sais pas, après, c'était tout. Alors mon premier vrai désir, mais c'est peut-être ça que je voulais dire, c'était probablement d'écrire, ça a toujours été ça. Peut-être, je ne sais pas, mais je n'ai pas vraiment, je n'ai pas bien cerné ça. Take me out of myself as to perhaps even produce tears, whether it's from nature or from a work of art or from a person. I have to be deeply moved. What moves me is the mystery, I guess, we call beauty. Être 18 ans. Oh, ça c'est mon premier désir. I always said, I want to be 18, I want to get home, I want to have a boyfriend and go hanging around with my boyfriend free. But, you know, and okay, I think that's my first desire. Je me tapais une fille quand j'ai eu 6 ans. Si on peut dire, c'est un peu précoce. Et c'était les corps de femmes qui me plaisaient dès que j'avais 6 ans, donc vous voyez. J'étais très précoce puisque je me suis marié à 13 ans, donc ça n'a pas duré trop longtemps. Choose. Mon premier désir, il a été tout de suite assouvi. C'était en pension, à l'internat. J'en parlerai plus tard. Être nourri, je crois. Partir. Ouais, partir. Partir de chez mes parents, quitter tout ça. Et partir. Partir vite. Et... Mais je ne suis pas sûre que ce soit le premier, le tout premier. En tout cas, c'est le plus fort et le plus violent désir que j'ai eu. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. C'était une glace ou c'était vraiment d'aller tranquillement seul à l'école, c'est-à-dire connaître mon chemin pour aller à l'école tout seul. Trouver quelqu'un pour faire l'amour. Quel a été mon premier grand désir, c'était la danse, le mouvement. C'était mon premier grand désir. Je crois que ça a été un pistolet. Argent. Un pistolet de couleur argent. Oui. Et je l'ai eu. Un pistolet de couleur argent. Il a failli m'être dérobé, mais... Et à un moment donné, je l'ai perdu. C'est-à-dire que j'ai passé une frontière avec et je craignais qu'on m'arrête. Ça ne s'est pas produit et... J'étais jeune, hein. Donc je croyais qu'ils prendraient ça pour une vraie arme. Maintenant, ils ont bien vu que c'était en plastique. Et finalement, il a survécu à la traversée de cette frontière. Et ensuite, je l'ai perdu. L'amour avec
mon premier copain et ma joie de danser aussi. Mon premier désir, de devenir extrêmement heureux, véritablement heureux, profondément heureux. Et là, grâce à ma petite diva, j'y approche de plus en plus. Oh. C'est pas la maltraitance. Hein. C'est elle qui veut. My very first desire was to have some milk, some cold, fresh milk. Très belle question, ça. Le premier désir, être reconnu pour ce que je suis. Sur scène, c'est mieux. Dans la vie, encore plus. Mais sur scène, c'est bien. Sur scène, c'est mieux, je pense même. Ouais. Je crois que c'est l'aboutissement du désir, ça. Ouais. Arriver à ce que l'on veut sur scène. Merveilleux. Déjà, dans la vie, c'est pas mal. Dans la vie, après, sur scène, si possible. Oui, bien sûr, mais c'est encore mieux. Se battre pour ce que l'on aime et puis passer une... Avoir l'envie et puis aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Ça, je crois. Aimer et être aimé. Oh, merveilleux. L'amour. L'amour sur scène, l'amour dans la vie. Mon désir premier, c'est Farida. Mais mon premier désir... C'est perdu dans la nuit des temps. Tant mieux d'ailleurs. Mais j'en ai eu beaucoup. Hein. To be something other than myself. My very first desire was to make music, was to be able to play music and to communicate through music, to feel music. Premier grand désir, c'était de téter maman. Et ça m'est resté. Pas maman, mais les autres. Tout ce qui ressemble au sein de maman est mon grand désir. Ça, je me souviens de ce désir d'amour absolu. J'avais l'impression qu'on pouvait l'obtenir qu'avec les animaux qui ne vous trompaient pas, avec les chevaux, mon cheval qui n'aimait que moi, je faisais... Je me souviens de ce bruit, il hennissait. Et quel homme fait ça? Donner un bras de sucre à ma petite sœur en son berceau et m'apercevoir malheureusement qu'elle ne pouvait pas le croquer. My very first desire was when I was 5 years old and I was seated on the lap of a pilot in the American Air Force, and I thought he was the most beautiful and wonderful man in the world, and he had a little gold wings on his collar, and he unscrewed them and he put them on the strap of my son's suit, and that was the high point of my life. Premier grand désir enfant. Ah oui, je sais, d'avoir une chambre à moi tout seul. Grimper à l'arbre de la maison et d'arriver jusqu'en haut. Mon premier désir a été ma mère. J'ai honte, mais c'est ainsi. Mon
dans mon prénom. D'être danseuse. C'est de savoir ce que mon père écrivait quand il écrivait à l'envers. Monter sur scène. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ah non, mais je sais pas répondre à cette question-là du tout. Mon premier grand désir, formulez-la autrement. C'est quoi, vous faites ça? Vous demandez ça à tous les gens que vous connaissez? Même ceux que vous ne connaissez pas? Quel a été mon premier grand désir? Non mais Fichy, il faut m'aider. Il faut m'aider, mais j'en sais rien du tout. Je sais pas. Quel a été mon premier grand désir? Baiser. Le baiser avec la langue, très très important. Ensuite, très jalouse que toutes mes copines soient passées à la casserole avant moi. Donc à un moment donné, il a fallu aussi passer à la casserole direct. Alors j'ai ardemment désiré une paire de chaussures à talons aiguilles que portait ma marraine en fait. Qui d'ailleurs a fait un scandale dans la famille parce qu'elle a perforé le parquet avec les boucles en métal. Je n'ai jamais eu d'ailleurs. Partir, voyager quelque part, je ne sais où d'ailleurs. La tendresse, je crois. Mon premier désir, tu as répondu toi? Oui. Ah oui, il a répondu. To be a music artist was my first desire. My very first desire? Probably a girl. I'm not sure I'm the best person for this. No, good enough. I'm not free to say that to anybody. No. Well, il faut toujours être content. Eh bien, la première chose que j'ai désirée, c'était un ours en peluche. Et aujourd'hui encore, j'ai une grande tendresse pour les ours en peluche. Tant et si bien que j'en ai une petite collection à la campagne d'ours très abîmés, très, très endommagés. Et plus ils sont abîmés, plus ils sont touchants. Oui, j'ai une grande tendresse pour les ours en peluche. Totalement inhibé. Il remonte certainement à la naissance. Mon premier désir. Non, tu veux déjà dire le premier désir dont je me souviens. Ce qui n'est pas la même chose. Par définition. Déjà, tes questions sont fausses. Ne me donne pas. Et si je cherche, ce qui me paraît absurde, parce que, comme on veut dire. Retrouver même le concept de désir chez un enfant. Qu'est-ce que c'est? Envie d'eux. Moi, mais envie de quoi? Je peux aussi bien avoir envie de chocolat ou de caresser un chat entre les deux oreilles ou de jouer avec la petite fille que j'ai rencontrée. Donc c'est totalement vague, totalement confus. Une question absolument dépourvue de sens. Je devais avoir 5 ans ou 6 ans. Et je disais toujours à mes parents, je voudrais être Bernard Kouchner. Je voudrais être Bernard Kouchner, je vais faire comme lui. Music, you know, because I do hip hop and reggae. You know? Yaga, 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 yaga! J'espère que ça a été celui de naître. Et puis. Je sais pas, que peut-être le premier désir, c'est. C'est pour ses parents qu'on l'a. Ça, c'est pour les désirs inconscients. Alors, pour les désirs conscients, à quel moment la mémoire bascule de l'inconscient au conscient, de sorte qu'on puisse se souvenir précisément de quelque chose? C'est très difficile. Je m'étonne moi-même de... au fond de tout ce que je vous dis, même. Je m'étonne de ce que
Pour moi, la question que vous posez me ramène au fond automatiquement si longtemps en arrière. Clothing. Like, I like fashion. I also like sneakers. I collect them. That's basically it. De me protéger du chagrin, de l'absence de mon père. Après, si on va parler de désir d'attirance physique, ça a été à chaque fois le plus beau des garçons qui était dans la classe, à la rentrée des classes, je repérais toujours le plus beau des garçons et c'est devenu mon copain, même si j'avais pas d'atome crochet avec lui. Our very first desire was when I was a little girl to become a ballet dancer. Oh. Vraiment, ça c'est difficile comme question, hein, parce que c'est très pervers. Soit on répond une chose un peu toute faite et ça marche pas, soit on dit la vérité et c'est indécent. Alors, je vais dire une chose toute faite. Ça, j'arrive pas. Mon premier désir. Non, je peux pas le dire. Bon. Ah, c'était une fille avec des énormes nichons. Et j'ai dû attendre très très longtemps. Voilà, c'est mon premier désir. Un danseur de flamenco qui s'appelle Joaquin Coltes. C'est ma mère. Non lo so, sposarmi. Vivre loin du bruit. Pour Ariel Dombal. Sur la plage de Granville, nu. Celui de monter à cheval, là, quand j'avais 7 ans. Premier désir, eh ben, c'est la première fois quand j'ai eu envie de coucher avec mon premier fiancé. Bishop, Archbishop. The leader of church. La nature, c'est tout ce qui n'est pas humain. C'est tout ce qui n'est pas fait de la main de l'homme. C'est ce qui est derrière la caméra en ce moment. D'être aimé. Premier désir est lié à un souvenir d'enfance quand j'étais à Fumel et où je me promenais dans le jardin avec mon petit tricycle et où j'allais sous les abricotiers très 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 mûrs. Et je me promenais comme ça sous les arbres fruitiers et j'allais me cacher dans les parterres aussi. De légumes, c'était mon royaume. Des bonbons. Pour dire, c'était des bonbons et après c'est passé, ça a évolué comme une petite fille qui devient adulte et qui grandit, qui évolue. Après c'est passé aux hommes et c'est retourné aux sucreries bizarrement. Just to live comfortable, you know, that's about it. Live comfortable, worry free, you know, that's about it. J'étais un enfant gâté, alors je sais pas. Il y a vraiment pas.
patiemment. J'ai pu y avoir de film hein, quand je l'aurais trouvé. J'ai collectionné les cailloux. Et de grimper le plus haut dans les arbres. Chante-le. Et dans la lumière. Chanter sur scène. Well, my first desire as a child was to, well, as a teenager, was to meet a beautiful woman. And my second desire was to have a good time. Un désir de possession. Vis-à-vis de ce que je ne pouvais pas avoir, vis-à-vis de... Je voulais m'enfuir de la réalité de mon éducation, avoir quelque... détruire l'image que j'avais de moi-même, et j'ai pas réussi. Mais je cherche toujours, et ça me revient parfois en fantasme, mais j'arrive à créer à travers ça. Et c'est un désir qui s'est pas conçu, comme tous les désirs, donc qui m'est resté très, très fort. Mais je pense que c'est plutôt... c'est un désir qui me manque, parce que j'ai plus la flamme en moi, mais je la recherche à chaque fois à travers différentes personnes. De contribuer quelque chose de bien dans le monde. C'est ça. One of the first persons I met was President Johnson. C'est de venir vivre à Paris. C'était ça le premier vrai désir. Je pense que c'était du chocolat. Ah, mamie! Je cherche encore. Oh, mon premier désir, c'était d'avoir un chien. Quand j'étais toute petite, d'accord. Encore maintenant, en vieille femme, je désire avoir un chien. J'ai deux chiens. Je lève les chiens pour des aveugles pour en avoir plus. Et je suis sûre que mon premier désir, c'était d'avoir un chien. Je me souviens très... Et je l'ai eu la première fois que j'ai eu une petite opération à l'appendicite, on dit. Que maman, quand je suis rentrée de l'hôpital, maman avait un petit chiot pour moi, que je l'appelais Youpi, et ça c'était mon premier chien, et depuis j'ai toujours eu un chien. C'était de danser. Je voulais être danseuse classique. Je ne sais pas si je ne vais pas intellectualiser trop, mais c'est quand même l'idée d'habiter un moment à 150%, d'habiter ma vie le plus possible et le moment qui vient et le moment qui passe. Sébastien parmi les hommes, là, comment il s'appelait celui qui jouait dans Sébastien parmi les hommes? Mehdi, il s'appelait. Il avait une petite gourmette, pas une gourmette, il avait une petite médaille autour du cou, il faisait du cheval en Camargue. Il avait mon âge, il avait 8 ans. Voilà, c'est mon premier désir. Celui que je me souviens, j'avais 4 ans, je voulais fumer. Et j'ai attendu que l'ego de mon père ne s'éteigne pas pour faire ça. C'est ridicule, j'ai honte et ça fait que je suis une fumeuse depuis une quarantaine d'années. Grimper à une montagne, parce que comme j'ai grandi à New York, la montagne c'était une carte postale pour moi. Et je comprenais pas cette espèce de mythe absolu de la montagne. Je lisais des tas de bouquins sur les escalades, etc. Je me disais, mais c'est quoi cette montagne? Et mon grand désir, c'était de monter à la montagne. J'ai cette athlétique. Et alors déjà, ça, c'est... Moi, j'en sais rien. Ça dit être la première grand-mère. J'avais 3 ans et ma tante m'a amené dans une présentation de mode comme ça se fait en province. Les mannequins enlevaient leur manteau et le laissaient traîner en fait sur la piste. En rentrant à la maison, j'ai dit à ma mère, enfin plutôt j'ai fait une démonstration à ma mère du petit paletot que je dégrafais. Et alors elle m'a dit, mais non, arrête, c'est ça. C'était mon premier émerveillement en fait sur une...
sur quelque chose qui était absolument inconnu et qui était cette espèce de, non seulement une posture, mais tout un monde de, pris avec ce geste du manteau qu'on laisse. Ça a été, je sais pas, mon premier désir, c'est quand j'ai découvert qu'en me frottant contre le lit à 7-8 ans, je pouvais faire sortir une matière étrange de moi. La première fois que je l'ai fait, ça me paraissait être si précieux et si personnel que j'en ai gardé un souvenir ébloui que je n'ai plus jamais retrouvé depuis, puisqu'après, évidemment, me rendant compte que je n'étais pas le seul à pouvoir fabriquer cette matière étonnante et apparemment pas unique, ça a supprimé une partie de ce fameux éblouissement. Remplacer ma grand-mère devant mon grand-père. Et j'ai peigné mon grand-père là où il n'avait pas de cheveux parce que j'étais sûre qu'ils vont pousser. Que les cheveux poussent sur le front de mon grand-père. Et que ta grand-mère disparaisse. Et que ma grand-mère me laisse tranquille, finalement. Que ma mère ne me laisse pas seule. Quand même, tant qu'il n'est pas question de savoir quel a été mon premier désir, vous pouvez me filmer autant que vous voulez, Ariel. Mais je n'en ai surtout pas quel a été mon premier désir. Hein? Je ne sais pas si c'était un désir romantique ou un désir mystique. Je crois les deux. Je voulais être swept away par l'homme idéal, parfait, qui m'aimerait toute une vie. Et puis j'ai eu l'autre désir, c'était de peut-être aller dans un monastère, me recueillir pour le restant de ma vie et être en osmose avec Dieu. Querer ser torero. Me dediqué 7 años de mi vida al mundo del toreo, pero me quedé haciendo carteles. Les crêpes. Parce que je suis bretonne, j'adore les crêpes. Non, je sais que je jouais à un jeu quand j'étais petit. Je sais que mon père m'avait raconté l'histoire de Jeanne d'Arc. Et je sais, parce que nous étions à la campagne, nous avions une maison à la campagne, et je me souviens, c'est un des premiers souvenirs, qu'il était assis dans le jardin et que bon, je rassemblais des petits bouts de branches qui traînaient dans la prairie, c'est parce que c'était enfin, sur la pelouse, et je lui disais, je vais te faire brûler, je prépare un bûcher pour te faire brûler comme Jeanne d'Arc. Je me souviens de ça, mais je n'avais pas du tout envie de faire brûler. Devenir éternel. Mon premier désir, c'était Doudou. Doudou qui était un petit garçon que je trouvais très beau et qui, eh bien, nous nous sommes toujours embrassés tout de suite sur la bouche et toutes ces choses. C'était très étrange. Et mon cœur a battu pour Doudou pendant des années. D'ailleurs, il bat toujours pour Doudou. Non. Faire quelque chose dans ma vie qui concret, qui permettrait d'exister, de me réaliser. C'était ça mon premier désir. En tout cas, c'est celui dont je me souviens depuis. Marcel, voilà, voilà, voilà. Voilà. C'est la nostalgie de l'étoile perdue, desiderata. C'est le désir, c'est ce qui fait défaut. Qu'est-ce qui fait défaut au début de la vie? C'est quand on a faim. La compensation de ce désir étant probablement le sein de sa mère, ou ce qui en tient lieu,
L'humanité a toujours, toute l'humanité a eu le même premier désir. Désir. Me vient la vérité tout de suite. Je serai incapable de mentir. C'est coucher avec une très jolie femme. Voilà. Mon premier grand désir dans la vie. Je n'en vois pas d'autre. Que la guerre finisse. C'était la guerre. Non, c'était que ma mère arrête d'avoir un enfant tous les ans après moi. Parce qu'au quatrième, je me suis dit, mais ça va s'arrêter quand? Il me semble que ça a été que mes parents ne divorcent pas. בגיל שנתיים, שלוש, יש לי את התשוקות, מה שקורה בבית ואת המשחק שלו ואת הממתק שלו. וכל גיל עם התשוקה שלו, כאילו כל הזמן זה מתחדש. אי אפשר לסמן תשוקה ראשונה או אחרונה, משהו כזה. C'est venu très tôt. Je me souviens qu'en maternelle, j'avais une petite copine que je trouvais extrêmement belle et je passais mon temps à lui demander si elle m'aimait. Et le désir que j'avais, c'est qu'elle me réponde oui. Mon premier désir remonte à il y a quelques mois. Autrement dit, je suis née tard. Et ce désir est un désir d'amour. Et je dirais même plus, ce désir est un désir qui me frappe moi-même, qui est enfin le désir d'indivisibilité. Je m'explique, parce que là j'ai l'air d'une cuistre. Le désir d'être enfin moi-même, d'assumer mon désir, de ne plus me dédoubler, de ne plus louvoyer, de ne plus vouloir ceci et vouloir ailleurs, vouloir ici mais vouloir ailleurs car l'herbe est plus verte ailleurs, voilà. Le désir d'aimer quand j'aime, de manger quand je mange, de dormir quand je dors, bref, d'être moi. C'est un désir que j'ignorais avoir, contre lequel je luttais, et ce désir s'est enfin révélé. Donc je suis née à ce désir à 45 ans. Les autres, mon premier grand désir a été de vivre avec Nicole Simon. Non, Mais il y en a eu d'autres depuis. C'était des... Quand j'étais tout petit, j'avais peur de ne pas vivre longtemps. Mais après, je me suis rendu compte que le plus grand désir, c'est pas là. C'est être en paix avec soi-même. D'être seul, de m'échapper, oui. De marcher comme ça, et de, voilà, de solitude. Alors mon désir, c'était de me barrer, de fuir tout ça. Voilà, c'est ça, mon premier désir, c'était de fiche le camp. C'était de voir la mer. Et j'adore le film de François Truffaut où on voit Jean-Pierre Léo qui court à la fin, qui va vers la mer. Il court longtemps, longtemps, longtemps. Il s'est enfui de l'internat. Il court, il traverse les champs. C'est très, très long ce plan pour je dire. On pourrait croire que c'est chiant et moi je trouve ça extraordinaire. Et à la fin, il arrive à la mer. Et moi j'ai été, mais j'ai pleuré, j'ai pleuré. Parce que j'ai fait la même chose. Je suis partie. D'essayer de vivre le plus longtemps possible. J'étais très énergique dès la naissance. Un manteau rouge. Je me souviens. Un manteau rouge avec une capuche. J'ai eu. En tout cas, c'est professionnel, c'était d'être journaliste. Quand j'avais 6-7 ans. Celui de manger, de vivre. Dans ma vie, ouais, intégralement. Ou de l'année, là. Il a le souvenir de... L'amour. Le premier de tous, de ressembler à la Vierge Marie. Indéfinissable. Elle vient de l'intérieur, elle s'exprime par l'extérieur. Bizarrement,
celui qui s'est présenté en premier, les fesses de ma sœur. Et c'est les femmes. La couleur est très vive, rouge, orange, et j'ai le souvenir de courir avec les bras ouverts vers ce bal. Je priais tous les soirs, et je demandais, et je priais, j'ai jamais dit ça. La paix sur la terre, dans ma famille, et protéger les gens que j'aime. D'exister par rapport au pouvoir des adultes. Voler. Et ouais, avoir des pouvoirs, avoir la vie éternelle, des choses comme ça. No, maybe cannot be fulfilled. There's not too much of desire. Celui d'avoir le nom de mon père. Explication. Quand je suis née, mes parents n'étaient pas mariés et ils n'avaient pas le droit de reconnaître un enfant par les deux parents. Donc ma mère m'a reconnue et j'ai porté le nom de ma mère très longtemps. C'était mon premier désir, c'était de m'appeler comme une. Habiter dans des endroits sublimes, des grandes maisons. J'habitais dans une grande maison et habiter dans des beaux endroits. Je pense que la beauté est très importante pour moi. Become a very good chef. Cessez d'avoir peur. Et de vous rencontrer. I cannot remember. Je voulais découvrir le monde. Je voulais rencontrer les gens, avoir des contacts. Je voulais faire l'exploratrice. Wakarimasen, gomenasai. Mon premier désir, c'est d'aller au théâtre. Quand j'étais petit, quand je vais avoir 8-10 ans, c'était d'aller au théâtre. Parce que je vivais en Normandie, que j'avais pas beaucoup de divertissement, qu'à la télévision on l'avait, c'est les voisins qui l'avaient. Et pour moi c'est le théâtre, la première fois que j'ai eu envie d'aller au théâtre. Donc ça a été de manger malheureusement, c'est très prosaïque. De tété. Ça a été un désir de théâtre. Je m'explique. À 4 ans, je suis le fils de Madame Butterfly. Je monte sur scène pour la première fois et pour la première fois, je suis ébloui par la lumière. Je sens la présence de la salle. Je vois des milliers d'yeux. Il fait très chaud. Et Madame Butterfly, la chanteuse, dont j'ignore le nom, me prend dans ses bras, elle chante. Et je vois des détails très précis sur son visage. Et plus tard, je me suis expliqué ça, c'est-à-dire que ce qui m'a frappé, c'est à la fois cette proximité que j'avais avec cette femme, cette première actrice, et c'est-à-dire cette proximité et ce mystère qui restait impénétrable, voilà. Et c'est comme ça que j'ai toujours perçu les actrices. Premier grand désir de tout confondu. Ou d'amour
ou de sexualité, de... c'est quoi? Désir de tout. C'est global. C'est ça? Tu dis rien? T'es comme dans Striptease, tu dis rien du tout. Mon premier grand désir. Voilà. Je crois que je m'en rappelle plus. Je crois que je m'en rappelle plus. D'exister. Exister. Mon premier désir a tourné autour de la penseur qui m'a appris à lire, à écrire, à aimer et qui a fait de moi le fils d'un condamné à mort. Par Franco, appelez-moi les gagnants, la personne qui a gagné les concours de survie. Sérieux, mon premier désir, tu crois que je me souviens avec mon Alzheimer de mon premier désir? Non, je m'en souviens pas. Peut-être. Je crois que les enfants, ils vont avoir un monde. Personnel, ça c'est mon désir personnel. Forse una macchina radiocomandata, da bambino penso fosse stato quello il mio primo desiderio. Que mes parents ne meurent jamais. Que ma mère s'intéresse à moi, qu'elle me dise que j'étais formidable, qu'elle aime les cadeaux que je offrais, les disques que je les ai écoutés. Voilà, que ma mère s'intéresse à moi, c'est mon premier désir. The answer is really that I wanted to be a writer. You know, I mean, when I was a small child, my parents said to me that when their friends said to me, what do you want to do, little boy, when you grow up? I would say I want to be a writer.
And I have no memory of this, but my mother says that I used to say it. Mi primer deseo fue desear. Y nunca he dejado de hacerlo. Quel a été ton premier désir? Attends, deux secondes. Il pourrait y avoir une tour, bientôt. Oh, et s'il n'y a pas, je prendrai un Xanadox. Oula, pour un froid glaçon anglais. Wow, sacarme la loterie. See when I get the lottery. L'amour avec ma maman. My desire. You mean in my life? In my life? To become a monk, priest, to serve in the church, in our church. Premier désir. Vous. Mon premier désir, c'était de revenir à Sarajevo. Probablement de faire pipi. Ashtazour. Je suis très vieille, j'ai 83 ans. Et mon premier, avoir un chêne. Le premier qui est pour moi le plus important, en fait, ou le plus important qui est pour moi le premier, c'est mon mari. Voilà, que j'ai rencontré très très tard et que je vais garder très très longtemps. Voilà, c'est mon premier désir, le plus important. Mon premier désir est extrêmement lointain, puisque je pourrais répondre. Il a été celui de plaire au mien, de plaire à ceux avec lesquels je vivais quand j'étais enfant. Je pense que c'était ça mon premier désir. Des cadeaux à mes petits copains pour leur plaire, à mes copines aussi d'ailleurs, avant tout. Voir un chef indien quand j'étais gosse. To get married. Là, je sortais de la banlieue, j'étais plus au Verbier, j'étais plus dans la fumée et dans ma cité. Et j'étais assis sur un rocher. Alors, on était tous très fatigués, donc tout ce qu'il y avait de banlieusard, d'accent, machin, de conneries qu'on pourrait dire, tout ça, c'était absolument anesthésié par la fatigue. Et on se contentait tous soit de fumer des cigarettes, soit de s'asseoir sur un rocher, puis de regarder la montagne, la neige. Et là, j'ai le souvenir d'avoir eu des grands désirs d'irrationnel, de choses qu'on va voir avec l'impossible. C'est quelque chose qui est en transparence, qui ne se voit pas, mais qui est là. Le sein maternel. Sans hésiter, mais ma mère, justement, m'a expliqué que son lait a tourné. Et à ce moment-là, je ne mange plus jamais de fromage depuis que je suis né, ce qui est vrai. J'ai un gros traumatisme à cet échelon-là, insurmontable. De là, je m'intéresse à la nutrition et à tout ça. Je n'ai jamais pu récupérer ce problème. Ça remonte à... avant la parole, vous vous rendez compte? C'était un désir de nager dans l'eau en compagnie de mon père dans l'eau du bassin d'Arcachon. Et c'était un désir intense et c'était une chose très importante parce que c'était l'eau, c'était la mer et c'était le partage. Et je crois que j'ai toujours le même désir. Donc le premier désir, il n'est pas éteint. Pas eu de premier grand désir, je sais pas. Peut-être j'étais comblée. La cohérence entre ce qu'on veut être et ce qu'on arrive à faire dans la durée. Et je pense que le désir profond, c'est tout ça. Sur le plan personnel, c'est un peu ça, en sachant qu'il y a des contradictions aussi.
j'avais envie de donner du sens. Voilà. C'est la question du sens qui a été qui reste pour moi la question la plus importante dans la vie. Je pense que jusqu'à la fin de sa vie, c'est le plus grand défi. C'est d'avoir une cohérence, donner du sens, et d'être fidèle à son âme. Maman. Un poney. Mais bon, j'étais allergique au poney, donc allergique au chevaux, donc non, c'est pas été possible. Là, ça commençait mal. Le premier désir a été la recherche du bonheur. Mon premier qui a duré pendant 15 ans, je suis désolée de la simplicité, c'est d'avoir des bonbons. J'en avais pas. Bien comme réponse. Il faudrait quelque chose de plus. C'est la vérité, je peux pas te raconter autre chose. Avoir des bonbons. De temps en temps, je réussissais à en procurer. Avec ma soeur, on les coupait en tout petits bouts pour les faire durer. J'aurais fait le chemin à genoux pour avoir des bonbons. Voilà. Ça, toute mon enfance. Mon Dieu, ça, c'est une vraie question. Parce que je me demande. Si j'ai eu des désirs dans ma vie, je crois que je n'ai jamais eu ni rêve ni désir, ce qui est un petit peu paradoxal pour quelqu'un qui est censé avoir de l'imagination. Donc en désir général, rien, généraux, je ne sais pas si on peut dire ça. En désir des femmes, immédiat, toujours, tout. Les maîtresses de ma mère, je vous l'ai dit, je suis fatigué quand même. Les maîtresses de mon père, tout me mettait dans un état d'hystérie sexuelle, mais très 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 jeune. J'ai désiré toutes les femmes du monde, et c'était un tel point que je me suis tenu justement à faire le contraire, c'est-à-dire les désirant toutes. J'ai refusé de rentrer dans le jeu de les consommer parce que, à force de les désirer, j'ai divinisé la femme. Et je crois que c'est réel d'ailleurs. Je continue à diviniser la femme. Et donc, à contrario, j'ai eu très 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 peu de relations, comme on dit, sexuelles avec les dames, puisque à mon âge antique, 59 ans, je le répète, obsédé sexuel avancé, je ne le répéterai jamais assez, je n'ai eu de rapport sexuel qu'avec 4 femmes, ma première, ma deuxième, ma troisième et ma quatrième. Donc c'est incroyable par rapport au désir global fou que je peux avoir des femmes. Alors si c'était... c'est pas même pas sexuel d'ailleurs, je crois que c'est réellement c'est réellement du religieux. Parce que moi, en fait, moi je suis un religieux non croyant. Et à part ça, en termes de désir, je me fous de tout. Mais alors à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Et même quand j'avais rien, je me foutais de tout. Et maintenant que j'ai tout, je me fous encore plus de tout. Moi, je suis vraiment une enfant de ce mythe du cinéma et de la vie des stars et tout ça. Alors, j'avais pas le don pour devenir comédienne. J'ai appris à faire autre chose. Mais c'était ça, c'était avoir une vie de rêve, quoi. C'est la beauté, moi. To be a writer. It's true. It sounds as if it might not be true, but it's the first thing I really remember wanting. De venir à Paris et de faire comme les Parisiennes, de mettre du rouge sur mes doigts, du vernis à ongles. Il ne ressemble à David Bowie. To be a dancer. Partir en voyage, je réussis. Everything that glitters. Le pot de confiture de ma grand-mère. De toujours dire non. Je crois que c'était Lisa. Les abonnés dans le Cosby Show. Être la vedette de ma propre vie, peut-être. C'était de faire ce métier. C'est pas très original, mais c'est vrai. Ça a été mon premier désir, j'avais envie de faire ça. Je vais avoir 6 ans, et j'ai embrassé sur la bouche une jeune fille que j'aimais depuis l'âge de 2 ans. Ça a été de voyager toujours. Et c'est une chose que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à le faire.
et je ne peux jamais avoir autant de voyages. Connaître l'amour. Moi, c'était d'avoir un chien. J'avais 1 an et je voulais avoir un chien. J'arrêtais pas de jouer avec des peluches de chiens. J'allais sur l'ordinateur, je regardais des chiens. Voilà. Quel a été ton premier désir? On a juste le temps, là, ton premier désir. Moi, j'ai un bar, la carte postale de mon enfance. Il y a une carte postale qui n'est même pas tireur en couleur, qui est tireur en sépia. Et ce tableau a bercé mes masturbations enfantines. Mon premier désir, un désir de bonheur, avoir pouvoir épouser l'homme que j'aimais. Je pense que c'était un désir très fort. Et j'étais encore très jeune à ce moment-là. Je nageais le crawl avec les bras par terre pour toucher les algues un peu froides et sinistres du lac Léman, et je faisais semblant de savoir nager. Et bizarrement, comme je n'ai pas eu de conscience de la marche, j'ai eu une énorme conscience de la nage. J'avais envie de savoir nager. Être grand. Être un adulte, tout de suite, rapidement. Quitter l'enfance. Rester avec ma mère. C'est la chaleur. C'est les vacances avec ma grand-mère. Mes parents n'étaient pas là, j'étais tout seul. Et donc il faut que ça soit... Donc ce désir-là, c'est probablement la fille du boucher. Eh bien, c'était d'abord les crêpes. Et puis c'est devenu, alors les crêpes à la fleur d'oranger, puis après c'est devenu le crêpe Georgette, à l'air du tissu. Voilà. Et du coup, la fin finale, c'est le tissu, donc. C'est pas la ouate, mais ni le coton. La soie. La vie. Can I be very rude? Yeah, maybe we would. Okay, so my very first desire then, honestly, was a camp counselor when I was a teenager, a young teenager, 13 years old, and I was in sleepaway camp, and his name was Stace Valentine, and he played the guitar, and he was a very beautiful man, and that was my very first desire that I can remember. No. Me nourrir, c'est sûr. Et ça, je pense que ce sera le dernier aussi. Ouais, me nourrir. Paraît évident. Dans tous les sens du terme, se nourrir. On ne trouve pas mieux sur Terre. Quand on peut le faire, c'est pas toujours le cas. Mais comment voulez-vous que je me souvienne sérieusement un premier grand désir? Je crois. C'est au cours d'un bain, ne jamais en sortir. Je parle d'un bain de mer, bien entendu. Vieillir, je crois. Un grand désir pour moi, c'était de devenir une femme. Ma grand-mère. Je pense que c'est ma grand-mère qui m'a élevé, à qui j'ai vécu ma petite enfance et qui me prenait sur ses genoux et qui a resté une image très importante pour moi, certainement de la femme. Je l'ai su plus tard, mais en fait, mon premier désir, j'ai dû l'avoir. Ça faudrait s'entendre sur le mot désir, mais c'est ce que j'entends par désir. Était Goldorak. Tout simplement. D-E-Z-Y-R comme Zéphyr.
Car avant que le désir ait lieu, il faut qu'on sache si l'on a eu du désir. Z-Y-R. Mon premier désir avec un Y se perd dans la nuit des temps. Au passage, je vois passer, oh, combien de mères. La mienne, bien sûr, mais pas seulement, parce que vous savez que j'avais deux mères, parce que j'avais, etc., etc. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Ouh là là. Donc j'étais chez les mères, et peu d'aventuriers masculins sont remontés. Vous savez, vous connaissez le Faust de Goethe. Vous savez, attention quand on atteint les mers, qui ne voit que des schèmes, que des schémas. Eh bien, je me suis incarné avec mon corps. Oh, je ne reviens pas. Comment ai-je fait ? Chez les mers. Et là, j'avais un tel désir, ZYR, qu'elles ont répondu à ce désir. C'est pour cela que, chère, mais vraiment très très chère arrière, qui est descendue peut-être une fois dans les enfers, vous savez que je vous dis vraiment quelque chose qu'aucun homme n'a vécu ni n'oserait dire. When I realized that one plus one does not equal two, but only equals a half. Cette fois, je regarde le ciel, et voilà, c'est de voler au-dessus de tout le monde, du monde, de la nature, d'être un oiseau peut-être. C'est tout? Toi. Desire.